YouTube, je suis désolé, je t'avais oublié. Oh, les fleurs bombes. C'était simplement une... Oh. YouTube, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je t'ai oublié pour ce sanctuaire. On n'a rien fait d'autre. Je t'assure, on n'a rien fait d'autre. On est parti de la tour du fort de Guay et on s'est approché de l'est du château d'Hyrule, là où nous avons entamé ce sanctuaire qui était simplement une épreuve de lancer. Voilà. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs qui dissipent le mal ancestral, accepte cet orbe de bienveillance. Bref, voilà. Tu n'as rien loupé, YouTube. C'était un simple golem. Golem caporal, golem je sais plus quoi. Sur lequel il fallait lancer des fruits de feu. Donc bon. Il n'y avait rien de bien intéressant. Je te rassure, tu n'as rien loupé, YouTube. Ne t'énerve pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et hop. Un peu de miasme qui s'en va là. Je suis pas sûr que Link récupère son bras à la fin de l'histoire. Ce qui voudrait dire que dans le lore, Link a désormais un bras qui ne lui appartient pas. Et a en guise de bras droit le bras de Raoru. Voilà. Ce serait intéressant en vrai. Ça pourrait être utile dans l'histoire future, ça pourrait servir un peu certains propos, ça pourrait lancer des péripéties. Non, ça pourrait être intéressant. Voilà, on se trouve à cet endroit-là, dans le sanctuaire de... Voilà, j'avoue que... Dans le sanctuaire de Oyamio. Voilà. Donc tu n'as rien loupé, ne t'en fais pas. Je suis juste déplacé ici, en fait. Et si tu ne me fais pas confiance, va voir la VOD sur Twitch. Tu vas vite voir que... Tout ça est bien réel. Tu n'as rien loupé. Alors... Yes. Bon. Plus tard. Plus tard. Là, je suis occupé à essayer de survivre, ok? Plus tard. Si un sorcier, ouais, j'aimerais bien ne pas avoir à m'en occuper, ça m'arrangerait. Oh, le château, il est plus au bon endroit, hein. Non. C'est toujours ça de prix. Je crois savoir où je dois aller. Est-ce que ça... Oui, complètement. Ça donne des silex. Ah d'accord, donc on a des filons de silex maintenant. Intéressant. Intéressant les filons de silex. Grotte de la colline Gongle. Faire sans. C'est un littoral, ça. Ça, c'est un littoral, ça. Je reconnais quand je vais me faire embrouiller. Il y a une Nélisis là-haut. Cinquième cristal. Y a pas de fleur bombe là-dedans, là?
Si. Ici. Bon, puis au bout d'un moment, il va falloir y aller, hein. Non, parce que on sait bien que... Ça a forcément... La bombe. Ouais, hein, ça va forcément sortir de terre, ce truc-là. Hein. Ça me dérange pas, ça. Bah. Il a pas voulu target le... Ça comme ça. Je suis passé derrière sans m'en rendre compte. Incroyable. Est-ce que j'ai raté ma flèche? Comme une merde? Oui, peut-être. Link a fait un effort. Ah, je commence à avoir des armes de merde, hein. Là, ça commence à être compliqué en termes d'armes. J'ai plus de fées. Ouais, non, ça se tient. Non, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Ça m'arrange pas, par contre. Ouais, en termes d'armes, là, c'est compliqué. J'ai plus rien qui fait des dommages. Alors, vous savez quoi? On va... On va essayer de cumuler des trucs, un petit peu. Pour augmenter le... Bon, on va pas mettre des cornes d'inox, des trucs qui valent cher, mais par contre, voilà, des cornes de bocoblin par exemple, ça peut être. C'est rapidement. Oui, bon, laisse-moi tranquille. Sauf que dans ce menu-là, j'ai pas la valeur de. Pardon, dans ce menu-là, là, j'ai pas la valeur de. D'augmentation d'attaque. Donc en fait, laisse-moi faire comme je veux. Non mais oh, on est où là? Je vais défaire l'amalgame de ce truc là. Voilà. Je vais en refaire un là-dessus. Et puis, bon, ça ira comme ça. Hein. Ça m'arrange pas, ça. Ça m'arrange pas que tu sortes maintenant. Non. Même pas attaqué une fois. Non, parce qu'en plus, je voulais recharger ma sauvegarde, parce que sinon... Attends. Attends deux secondes. Tu vas un peu vite en besogne, Michel. Non, ça c'est une sauvegarde automatique. Celle-là. Voilà. Tu vas un peu vite en besogne, Michel. Bon.
Après celle-ci, j'aurai 12 lueurs, ça veut dire deux réceptacles de cœur et une barre d'endurance. Donc il faut absolument qu'on fasse ça. Il faut absolument qu'on fasse ça après. Faut qu'on se trouve un. Comment? Une divinité et on se trouve un truc comme ça. On va faire la même chose pour celui-là. Allez. De toute façon, on va devoir explorer la grotte juste après, donc pour récupérer l'armure, parce que c'est ici que se trouve la pièce d'armure que la Fashion Victim nous a indiqué là. Donc on va faire ça direct. Et après, on fera le tour de la grotte. Non, alors ça, j'étais. Non, là, je suis pas d'accord. J'étais pas sur toi. Alors, on va faire attention à ces coups parce que. Visiblement, il one shot. Non, mais Link. Oh, la perte de temps. C'est tellement loin. Oh. Non, c'est pareil, j'étais en l'air. Ok, j'avais la fenêtre d'invincibilité, ça va. J'étais en l'air. Ok. Les littoraux qui peuvent être très violents hein, quand vous n'avez pas d'armure, quand vous n'avez pas d'armes ni rien. Mourir, monsieur. Merci. Topaz brut. C'est très stylé les cœurs de Littoroc là comme ça. Je sais pas ce qu'on peut en faire. Je sais pas si on peut en faire quelque chose d'ailleurs. J'imagine que oui. Je sais pas trop. J'ai peur que le coffre se trouve derrière un de ces gisements. Donc malheureusement, on va consommer pas mal de bombes. Ouais, par exemple, ouais, par exemple, en plus qu'il y a des autres grottes. Voilà, exact.
Ah, Nintendo, Nintendo, Nintendo. Vous savez que ça fait quand même des années que je vous pratique maintenant, donc. Je connais un petit peu vos stratégies, vos. Hein. Bon. Nintendo. Pas à moi. À d'autres, mais pas à moi. À d'autres, hein, mais pas à moi. Ah là 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 là. Oh, ils sont mignons, franchement. Franchement, c'est mignon. Franchement, c'est mignon et c'est une bonne idée, hein. Si je l'ai eu, c'est que c'est une bonne idée. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est. Gilet barbare. Intéressant. Non, mais voilà, c'est. Pour vrai, c'est une bonne idée. Mais voilà, c'est juste que je pratique Nintendo depuis des années maintenant. Bon, je connais leur technique. Donc, je m'attends plus facilement que d'autres personnes à leur petit subterfuge, en fait. C'est aussi simple que ça. On va faire la même chose sur les autres, quand même, au cas où. Je sais pas. Non, ça sert à rien. Non, je sais pas si on va le faire sur la dose en fait. Pas envie de consommer toutes mes bombes comme ça. J'aimerais beaucoup pouvoir les crafter les bombes. Ça serait incroyable. Bon. Je pense que globalement, on n'a pas besoin de faire tout le tour non plus. Mon avis. C'est fou quand même que le premier gisement que j'explose, c'est celui-là quand même. C'est quand même vachement marrant. Bon bref. On a fait le tour. Je pense qu'on est bon. Je suis très curieux quand même des cœurs de Litoroc là. Je pense qu'on peut y faire, on peut en faire quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Après vous me direz celui-ci, je sais pas comment on peut le remonter à la surface. Bon, écoutez. Ah, attends! Je t'avais oublié, toi! Excuse-moi, hein. Bah attends, et du coup, on va repasser, on va ressortir par le. Par la. La cage secrète, là. Je pense que là, le plafond est accessible. Et traversable. Et infiltrationnable. On est bon. Oula. Oula. Oula, je sors pas au bon endroit, moi. À ma target. Alors. Je sais pas comment ils m'ont. C'est pas le bon qui a pris la flèche. Toi t'as des flèches normales, oui, bon ça va. Lui il m'a sauté dessus en fait. Et du coup c'est lui qui a pris la flèche qui était destinée à son petit pote qui était beaucoup plus dangereux que lui. Ah mais ça se one shot ces bestioles là, d'accord. Ça va. Ça va, ça va. Attends, j'ai plus d'armes. Tiens, prends un coup de feuille fourrue. Ah, et ça, c'est quoi du coup? Un Kakuda. Aile de Kakuda, cette aile à taille impressionnante n'est pas moins étonnamment légère. Attachez-la à une arme ou à une flèche pour que et celle-ci volera bien plus loin. Oh. Et œil de Kaduka. De Kakuda, pardon. Je vois derrière le truc, hein. C'est pas caché. Parce que lui là, il me fait peur. Même. Ça dégage. J'ai voulu esquiver, j'ai pas réussi, je suis mauvais. Non. Je suis dégoûté. Sad.
Don't be sad. Bon. Et bon, on recommence. Alors par contre, comment ils m'ont target? C'est le Kakuda qui m'a spot? Ouais, ça doit être ça. Hein. L'autre, il s'est jeté derrière moi, là. Oh, j'ai trop peur. M. Allez, hop là. T'as plus d'armes. Jette-moi des cailloux pour voir. Raté, t'es mauvais. Attends, il a encore des fruits de foot dans les poches. Je lui fais les poches. Attendez, ça c'est un petit caillou taillé ça. Je reconnais. Hop là. Bon, j'aurais pas mis dans ce sens là moi, mais écoute. Voilà. Non. Oh, dommage. Ouais. Non. Oh, la range qu'il a. Ah, il me fait trop mal. C'est un beaucoup blanc marron. Un beaucoup blanc noir. Et c'est normal. Il est one shot. C'est logique. C'est complètement logique. Bon, par contre, que je meure face à lui, c'est pas logique. Ça, non. Qu'il me fasse des dégâts, oui. Mais qu'il arrive à m'en faire. Qu'il puisse m'en faire, c'est normal. Mais qu'il arrive à m'en faire, ça, c'est pas normal. Hop. Bon, bah, si j'y suis. Attendez, mais pourquoi le bokoblin normal, il me jump dessus, là hein? C'est l'autre qui l'ordre. Oh, c'est incroyable. C'est le bokoblin noir qui jette le... Enfin, le moblin noir qui jette le bokoblin bleu. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors ça, c'est une mécanique. J'en suis fan absolu. Malade. Incroyable. Le faire deux fois. Oh, j'étais pas sûr qu'il fasse un troisième coup. Je pensais vraiment pas qu'il allait pas en faire. Qu'il allait en faire que deux. Oh fuck. Ah, ils ont des nouvelles attaques. Je les connais pas. Je connais pas les grands coups en avant. Bon, tous les mobs peuvent faire un coup en avant comme ça. Ok, bon. Mais pff, non, je vais le faire à l'arc. Hein. Franchement, c'est. C'est petit kiki, mais pff, j'ai pas d'autres idées, hein, je vais pas mentir. En fait, peu importe où on tape dans le corps, ça y est, one shot. Ah, ok. Apparemment, je suis en vol. Ok, j'étais dans ma chute et il a compris ça comme étant un envol, mais c'est pas du tout le cas. Parfait. Ah, il se rate. Excellent. Ouais, le game over change de couleur selon la manière dont tu meurs. Non, tu meurs, c'est toujours le cas, ça. Oh là 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 là. Je vais arriver, hein, vous inquiétez pas, hein, mais je sais pas quand.
Non, ça m'arrange pas ça. M'arrange pas que tu me le jettes sur moi. Bon. Bon, lui, j'ai compris, je le fais à distance. En même temps, j'ai tellement de flèches, je vois pas pourquoi. Regardez, j'ai 260 flèches. C'est même pas visé en plus. Raté. Raté. Y'a le blob derrière moi. Corne de moblin noir. Bah il découpe hein. J'ai tapé dans les gelées chuchus jaunes sur lesquels il était. Oh. Ah, quand ça veut pas, hein. C'est cocasse, mais non, c'est comme ça, hein. On recommence. Oh, putain. C'est sans fin. Pourtant, il y a vraiment 4 mobs, quoi, c'est terrible, hein. Oh wesh, ça va oui. Moi ça va, et vous? Ça fait 15 fois que je récupère cet arc. J'ai pas eu le... j'ai pas réussi à attraper la sauterelle. Bon. On sait comment y arriver. Franchement, je sais pas. Hein. Ouais, j'en ai marre. En fait, mon but maintenant, c'est de l'humilier. C'est de le tuer en l'humiliant. Non ! Mon pro contrôleur a du drift. Non mais c'est de l'humilier, hein, c'est tout, mon but. Bah. Oh wesh la range. Oh la range, ça va, hein, on souffle, hein. Bon. Je pense qu'on est bon. Tout ça pour un vulgaire camp dans lequel il n'y a rien. Il n'y a aucun intérêt à gagner ce camp. Il n'y a rien, il n'y a rien dedans.
L'avantage, c'est que ça me rembourse les flèches. En vrai, ça va. Mais bon, heureusement, j'ai presque envie de vous dire. Ce serait terrible sinon. Ce fut laborieux. Coffre. Avec des flèches. Voilà. Super. Ah, je suis plein. Et voilà. Bon. J'avais pas de noix de coco. Ok. Bah, Link. Où est-ce que je dois aller maintenant? On est mort 4 fois. On avait dit vers le sud-est, hein, pour se diriger vers la tour, à peu près. Alors on va pas faire tous les troncs d'arbre, par contre, hein, je vous le dis. On a fait celui-là, c'était marrant. Maintenant on arrête. Hein. Je me rappelle plus le prix de la tunique au fort de Guet. On pourrait y retourner et voir vendre déjà ce qu'on peut de nos poches. Et puis essayer d'acheter la tunique entière. L'ensemble. La tunique ilienne. Ça nous protégerait un peu plus que notre pagne et notre vieille guenille là. Alors ça, quelque chose me dit. Que c'est pour un Korogu. Ouais. Ouais, super, allez. Il y en a un autre là-bas. Le sanctuaire. Pour plus tard. Nous, en attendant, c'est la tour. C'est la tour de cette zone-ci qui nous intéresse. Et ça doit être celle qui est en face de nous là-bas. Je crois qu'elle me paraît un peu loin, mais bon. Ah non, je pense que. Celle-ci, c'est celle du fort de Guet. Celle-ci, c'est celle de la région d'Ordine. Lâche ça pour voir. Allez hop là. Calme-toi, tu vas t'énerver. C'est pas bon pour ton cœur. Et toi, ouais, de la même manière. Hein. Allez hop. Cassons-nous de là. Oui voilà, en fait c'est pour ça. C'est parce que ces trucs là, je les avais pas récupérés du tronc d'arbre là qu'on vient de libérer, dans lequel on a galéré pendant 15 minutes. Alors, où peut bien être la tour? Non, c'est celle-ci, hein. C'est celle-ci là-bas tout au fond, hein. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite forêt. Wesh. C'est terrifiant. J'étais pas loin. J'étais à deux doigts de me le prendre dans la tronche, hein, celui-là.
Enfin, je dois compenser le drift, c'est horrible. Faudrait que je fasse un petit coup de recalibration de mon stick. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un pissenlit? Petite sauvegarde, ça fait pas de mal. Fleur à rameau, ça, on connaît. Par contre, le pissenlit là-haut? On peut pas le ramasser? Pourquoi ça m'étonne? Pourquoi ça m'étonne, franchement? Je suis naïf? Non mais je suis naïf! Je suis bête! Avant de rentrer dans la grotte... Ça c'est très cool, n'empêche qu'ils aient rajouté plein de grottes comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Grotte du mont Gongle. Oh, bah y'a du monde là-dedans. Oh, y'a beaucoup de monde là-dedans. Très bien. Vous avez des armes enflammées, ça me plaît pas du tout. Recule un petit peu. Je peux pas tourner. Waouh. Retournez voir votre petit pote là. On va faire ça. C'est bien, vous êtes bien synchro, c'est très joli. Oh ouais, genre, même le bleu il me met aussi mal. Ouais, est-ce que je pourrais peut-être changer aussi d'armure? Ça augmente mon attaque, mais c'est tout quoi. J'ai que ça en vrai. Je peux rien mettre d'autre. Et je vais surtout manger un petit bout, attends, parce que. J'ai quasiment rien, c'est terrible. C'est terrible, j'ai plus rien à manger. Il faudrait que je cuisine des trucs. Je peux pas me les lancer correctement, bon. Ah, j'ai plus d'armes, c'est con. Attendez. Je peux pas. Ah, j'aimais bien avoir quelque chose de longue distance. Attention à la biche. Y'a quelqu'un qui te veut du mal là derrière. Ouais. Bon, allez, écoutez. Y'a plus d'arc non plus, un plaisir.
wesh. Ah, mais ils me mettent tellement mal. C'est terrible. Y'a quelque chose pour le mettre dans la tronche ici? Non, y'a rien. Hein. À l'aide. J'ai peur. Bon, cesse un peu ton cinéma au bout d'un moment. Ça me fait transpirer. Tout ça pour rien, encore une fois, hein. C'est une simple simple caverne avec du loot, enfin de à peine du loot. C'est terrible. Ouais, les fleurs, bon, écoute. Je dis pas non, hein, mais. Sûr qu'il y a mieux. Ah, attends, en fait, peut-être que on va tomber sur quelque chose d'intéressant. Peut-être que, attendez. C'est à moitié dans le truc là. Mais j'ai pas d'autre choix que d'utiliser des bombes là en vrai. Hein. Ah oui. Non, je vais lancer une truffe max, ça sert à rien. Mais attendez. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi. C'est une blague. Attendez, il y a quoi derrière là pour entendre. Attendez, il y a quoi derrière là pour entendre ça là. Je reconnais pas les bruits des mobs encore. Bon, Link, là, par contre, t'es un peu abusé. Je vais pas te mentir, Link. Là, t'es un peu foutu de ma gueule. Alors, je sais pas contre quoi il a lâché la bombe. Mais en tout cas, il l'a pas fait voler aussi loin qu'il fallait. Le problème, c'est que je vais pas consommer toutes mes bombes là-dessus, quoi. Ça m'emmerde un peu. Et d'un autre côté, puisque maintenant j'ai supprimé les mobs derrière, là, je me dis. Bon. On va quand même aller au bout. Maintenant que je sais que c'est littéralement un tunnel. Entier, je vais essayer de creuser plus que de détruire les cailloux. Alors, évidemment, pour creuser, faut détruire les cailloux, mais. À partir du moment où je peux me creuser un chemin, moi ça me va.
Il y a des espadons de partout quoi là-dedans. Quoi? Mais pourquoi? J'en ai sorti une sans faire exprès, ça... Peut-être, peut-être. En vrai, c'est possible. Ok, attendez, on va recommencer. Mais c'est quoi le mob derrière? J'ai peur, en fait. Parce que si je retombe face à un giga gobelin, là... c'est quoi le nom de ce mob-là? Déjà, on va reload la sauvegarde. J'ai pas envie de repartir d'une sauvegarde, d'un moment où je suis mort, en fait. C'est quoi ces gros mobs là Les chefs, c'est chef beaucoup blindes, non? Attends, mais c'est quoi Chef beaucoup. Pardon. J'avoue que les combinaisons de touches sont pas les meilleures. Ok. Ah non, c'est des trop globins. Le relou. Long goupillon pyro perché. Allez. Wouah, doucement. Tu vas te faire mal. Griffe de troglobelin. Corne de troglobelin bleu. Attends, encore là? Ah, attends, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a combien de... C'est un dédale ici. C'est quoi les bestioles qui sont derrière en plus? Ça fait un de ces boucans. C'est un Elusis. Bouge pas. Ça va bien se passer. Raté. Bon, et ça, je pense que ça donne vers le. Ça revient vers le chemin d'où je viens. Ça nous fait revenir là d'où je viens. C'est sûr et certain. Oui, c'est sûr et certain. Bon. On va sauvegarder un coup. Parce que. C'est dangereux les bombes. Ostruf Max. Et ici. Et ici ça nous ramène dehors. Excellent. Bon, excellent par contre il pleut. Et ça c'est moins excellent. Ok, bah on va avancer, écoutez. Un sanctuaire là. Il est noté? Non, il n'est pas noté du tout celui-là. J'ai plus de balises. Yes. Yes. Vous savez quoi? On va retourner au temple du temps. Et on va récupérer une. Comment? On va récupérer des réceptacles de cœur. Et une barre d'endurance. On va faire ça.
Alors, je suis pas exactement là où je voulais être, mais on va pouvoir descendre en paravoile. C'est pas un problème. Oh non, mon vieux bouclier en bois. Je trouve très stylé d'ailleurs. Il est où le temple du temps? Il est de l'autre côté. C'est pas grave. Oh, j'aurais pu remonter et partir en planeur, ça aurait été stylé. C'est pas grave non plus. Bon. On avance pas beaucoup dans l'histoire, je vais pas mentir, mais c'est pas grave, parce que je kiffe quand même mon expérience de jeu. Et puis ça me fait quand même plaisir de jouer. Donc non, c'est pas grave. Franchement, c'est pas vraiment un souci. Là, on est bon. Alors on est bon, non, on est pas bon, parce que là j'arrive pas à... Ah, est-ce que je peux? Yes. M'arrange pas du coup. Et hop. Merci. Salut. Ah bah, justement. Justement, je cherchais un bouclier en bois. C'est très gentil, merci. Très bien. Hop là. Là. On va aller récupérer notre dû. Ça s'escalade pas, ça. Ce serait trop simple. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh, Link. À vous. Merci. Bonjour divinité. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes. Ah non, j'en ai 11. Mince. Je pensais en avoir 12. C'est my bad. Oh, cette musique. Incroyable. Merci. On va prendre un setup d'endurance. On n'est pas loin d'avoir un cœur supplémentaire, donc bon. Impeccable. Excellent. Bon. Et bien sur ce, je pense qu'on est bon. On va pouvoir... qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah on est en hauteur au-dessus de là où il faut en plus. C'est parfait. On est exactement là où il faut être. On va pouvoir se rapprocher de la tour. Qui est juste en dessous. Si ça c'est pas parfait, je sais pas ce que c'est. YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. C'est celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. YouTube, à la prochaine.